La rondelle est en prise dans les patins de Malouin. Chagnon est là. Va mettre pour Breton. Breton tente de déborder un joueur. C'est fait. William Breton remet devant pour Potvin. Rondelle libre par deux fois. Et Malouin qui a frappé Breton. Et Breton qui est allé se venger par lui-même. Oh. Est en train de donner une correction à Jérémy Malouin. Et Danny qui est sauté dans le top. Mêlée qui éclate. Et William qui en a pour... En donne pour son argent à Danick. À Jérémy. Ah, Jérémy. Au grand plaisir des partisans de Saint-Georges. Oui, Jérémy Malouin voulait lâcher les gants également de son côté. Mais William Breton n'a pas laissé l'occasion trop. Et il a reçu de nombreux coups de visage. La foule qui acclame le joueur local. Ouais. Alors, on vient de revoir là, comment tout ça a parti. Oh, de nombreux points de la part de Breton. On va voir comment on va démêler tout ça, les pénalités. En tout cas, on n'a pas envoyé William Breton vestiaire. Non. Puis de ce que je vois, Jérémy Malouin, il manque un gant également. Ouais. William Breton n'a pas sauté dessus. Non, ben, c'est que Breton s'est fait un peu frapper dans l'angle mort. Mais il a lâché les gars face à Jérémy Malouin. Ouais. Je veux dire, Jérémy Malouin savait qu'est-ce qui s'en venait également. Ouais. Là. Il a quand même pas frappé n'importe qui. Je veux dire, William Breton est quand même connu pour défendre quand c'est le temps.